Eh bien salut tout le monde, c'est Raizen, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur ReCore. Et on reprend tout de suite après l'épisode précédent. Donc on vient de tuer le gros boss. On va prendre Marc avec nous, enfin Mac avec nous. Hop. On récupère évidemment notre petite pièce. Et on est parti. Il saute haut, lui. Tout va bien. Je voulais voir si ces pièces tenaient le coup. La tour E, le cœur d'Alter est derrière. Elle a l'air fermée, tout comme le pylône et l'usine. Pour longtemps. Écoute, Joule, je voulais pas t'en parler par radio. Les voix qu'on a entendues ne venaient pas de vaisseaux en orbite. Ce qui veut dire... Ça semble insensé. Mais je crois que ces voix venaient de l'intérieur de l'orbe. Oh, voilà le deuxième gorille. C'est donc toi, Victor. Joule, va-t'en d'ici. Seth vous aidera à refaire la traversée. Ne laisse pas avec lui. Seth ne peut pas tous nous transporter. Tu dois protéger cette orbe à tout prix. C'est pas le moment de discuter. File. Quoi? On t'abandonne? Bon, c'est pas grave. Non, je passe pas. On s'en fout. Et la suite dans le prochain épisode. Ça met vraiment 3 heures. Hein. Ça casse tout le rythme en fait du jeu et des vidéos hein, quand tu regardes. Parce que ça met d'une changeante. Déjà on est sur une nouvelle zone. D'une changeante. Le réticule représente la précision de votre fusil. Ben ça, il me l'a déjà donné comme astuce. Et plus, d'accord. Les ennemis rares et exceptionnels résistent aux attaques d'une autre couleur que leur or, mais ils peuvent être assommés, déstabilisés ou enflammés. Ok. De toute façon on va vite voir. Ce qui est bizarre c'est qu'on n'a pas beaucoup débloqué de plans pour Marc ou pour Seth hein. Là on a fait le donjon, là il y avait quelques plans, 2 plans d'ailleurs pour Seth. Il me semble pas qu'on allait débloquer pour Mac. Il me semble pas ouais, qu'on en ait débloqué pour Mac. Mais c'est pas grave, hein, il est déjà bien cheaté. En plus j'ai débloqué des parties qui étaient déjà aussi... de nouvelles parties qui étaient déjà bien cheatées aussi. On va attendre de débloquer toutes les parties pour pouvoir pour changer d'équipement un peu à Mac. Comme ça on aura le bonus d'équipement complet quoi en fait tout simplement. Et il sera un peu plus puissant. se débrouiller seul. Il va bien, j'en suis sûre. Il le faut. Allez, direction la tour E. Alors, on doit traverser tout ça là. Alors déjà, c'est où qu'on doit aller? On doit aller là. Et ça, c'est quoi tout ça là? Ressources suivies. Non, attends, il y a marqué quoi? Ressources suivies, ouais, d'accord, ressources suivies. On va aller là parce qu'il y a un téléporteur, on va s'en servir. Enfin, on va s'en servir. Combien on a de... Ouais, on peut encore attendre avant d'y aller. Ouais, qu'est-ce qui se passe là? Allez hop, bousille-le, voilà. Yes, niveau sup. Bon, d'accord. Voilà. Regardez Mac, tant que l'autre est pas... Tant qu'on n'en a pas réellement besoin de l'autre. Oh là, qu'est-ce qui se passe là? Urbi et Orbi, c'est quoi ça? Vous avez extrait 100 orbes. Ok, bah vas-y, hein, fais-toi plaisir, hein, fais succès ma poule. Merde. Ok, putain. What the fuck? Putain! Putain, c'est relou la caméra là. Tu crèves toi aussi. Voilà, défichage terminé, plan obtenu. Ah. Nouveau défichage. Ok. Nous savions que nous ne pouvions pas modifier l'ensemble de l'atmosphère. Pas au début. Certaines zones devraient attendre. Et dans ces zones, au-delà des pylônes, les tempêtes continueraient. Alors, faut aller là. Allez hop, on va là. On va voir ce qu'il nous réserve ici là. Parce que je suis quand même curieux. Je me tarde de pouvoir encore améliorer encore plus, mais attends, c'est là. 113, 112, 101, plus tout ce qu'on a là. Là on a au taquet de trucs ici. Tant mieux. Ok. Victor, je sens que ça va être le boss de fin, lui, du jeu. Ouais, il y a un truc là-haut. On va y aller. Hop, une petite pièce. Hop, une deuxième petite pièce. Oui. Oh, il y a un enregistrement ici. On va aller le prendre. Février 2084. Ils m'ont enfermé dehors. Moi, Julius Roldan. Je n'ai plus accès à l'orbe majeure. Le conseil de Vendate a-t-il perdu la tête? S'il y a un problème avec les pilotes, qui empêchera indirectement de la terraformation? Les orbots n'ont jamais eu l'autorisation d'accéder à l'ordre majeur. À part moi, les seuls qui avoir accès sont les équipes de maintenance de la tour et d'ailleurs. Mais c'est toujours ce que j'ai demandé. Évidemment, j'aurais dû comprendre plus tôt. Il y a un esprit au parle des équipes. Victor dans son explorer. En attendant un ordre de Vendate pour prendre le contrôle du projet. Ton projet. Yes, Mac et moi, on est passé niveau 13 et mon arme est passée niveau 13. Bam. Petite extraction éclair. C'est bien ça. On va aller récupérer celles qui sont là. Oh, on le fera plus tard. Il y a des pièces de partout. Bah non, de toute façon, on va par là. Il y a des pièces de partout, de toute façon. Alors, attends, non. Qu'on passe par là peut-être ou par là. Ah yes. Oh, ça je savais pas. Et voilà, je découvre des trucs en même temps que vous les potes. Donc maintenant, dans les cailloux, on peut les péter quand on a la même, quand on peut tirer de la même couleur. Ah, ça c'est cool, ça va faire encore plus de composants. Ah, ça j'aime les potes. Alors, on va découvrir ici un petit peu, on va ramasser les pièces. Parce que de toute façon, j'ai trouvé un moyen de casser les rochers bloquant la porte. Bah, il faudrait que je puisse tirer en vert. Mais malheureusement, j'ai que les 3 ou 4 couleurs. Blanc. Ah, c'est bien ça. Alors, maintenant on a fait ça, 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 ça. Hop, il y en a une ici. Il n'y a pas de caisse. Non, par contre, il y en a une ici. Il faudra que je trouve c'est qu'elle est. Oh con, elle était où c'est que j'étais. Ça. Et ça, on peut pas le... Si, voilà. Hop. Mais ça c'est pas grave. Mais c'est ouf ça. Putain, on peut pas bouger 2 secondes quoi. Ah, ça me fait rager tout ça. C'est relou. Allez, faut se dépêcher. C'est vraiment relou. C'est vraiment relou. Putain, c'est long les temps de chargement, mais ils sont longs, ma parole. Maintenant, on va mettre plus de temps à charger les maps qu'à jouer, quoi. Putain, relou. Allez, charge là, plus vite. Allez, plus vite, 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 plus vite. Non, ça va pas vite. Prenons un ennemi par sprint pour peut-être extraire instantanément son orbe. Ça c'est bien quand ça fait ça, quand tu peux extraire en direct. Par contre, seul petit truc que je trouve con, c'est que les orbes, bah, du coup tu peux pas en stocker beaucoup quoi. Et donc une fois que t'as tout pété, bah t'as plus qu'à prendre des ressources quoi. Oh non, je repars d'ici. Bon c'est pas grave. On a toujours nos orbes, c'est bon. Ah, par contre, il faut tout refaire là. Non, je préfère avoir... Ouais, ça je savais pas. Et ça c'est génial. Ça va me faire gagner vraiment au taquet de ressources. Alors, un plan, un plan, un plan. Oui, oui. Molosse jaune, molosse jaune, molosse jaune. Oh, on a le set complet de molosse jaune. J'espère qu'il va être encore plus cheaté que ce que j'ai. Donc ça, c'est cool. De toute façon, on va attendre encore avant d'y aller. Hop, moi, je veux le chien. Il est plus fort. Hop, voilà, on va refaire celui-là. Voilà. Voilà, hop. Et ça, c'est fait. Hop. C'est une arme prismatique en plus. Yes. Yes, 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 yes. Ça, c'est bon. Allez, 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 allez. Oups là. Et notre petite orbe. Voilà. Ça pue les ressources. Allez, on va chercher nos pièces ici et après on continue. On se remet en shoot blanc. J'espère qu'on va pouvoir les construire. On va d'abord construire les jaunes pour... Enfin, le nouveau set qu'on a eu pour Mac. Et après, on améliorera notre petit set. Et on verra de quoi il est capable après. Parce qu'il est pas mal, hein, j'aime bien moi son spécial et tout, de toute façon. Et on va continuer d'améliorer Mac en niveau orbe. Parce que ça va être celui que je vais me servir le plus en fait pour le moment. Donc autant le rendre pété. Boum. Allez, on continue. Hop, il va me falloir lui. Parce que du coup... Ouais, il faut qu'il me jette là-haut. Ah là 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 là. Wouh ! J'adore. Là, ça sent bien le piège. Ouais, un nouveau... On va aller récupérer les pièces avant. Parce que si jamais on peut améliorer, autant le faire avec toutes les pièces. Hop. Bon, allez, on va continuer. On va voir où c'est que ça nous mène. Hop, hop, hop. Il n'y a pas de pièces par là. Non, et par là. On regarde vite fait quand même, histoire d'être sûr. Ouais, c'est bon, on a tout ramassé. Bam, entrer dans l'Explorer. Ça c'est fait. Et maintenant, place à 3 heures de chargement les potes. Voilà la galère. Explorer perdu. Terminer des défis chasse pour déverrouiller des plans et des matériaux de fabrication rares. Il va falloir que ouais, ça je les ferai en dehors des vidéos. Hein. Tant qu'on peut avancer dans l'aventure, on va avancer de toute façon. Et après je ferai les choses en dehors des vidéos. Comme ça je verrai un petit peu tout ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir... Ah, petite vidéo. Ça serait bien qu'il y ait un nouveau hors-bot dedans. Ah, il y a un nouveau robot dedans. Le caisson est brisé. Et il ne s'est jamais réveillé. Moi, c'est Julie. Voici Mac et Seth. Non, ils sont avec moi, pas avec Victor. On veut rejoindre la tour E pour arrêter Victor et sauver Alter et Eden. Tu nous aideras. Yes, on a un nouveau robot. Nouveau donjon. Nouveau compagnon. Un nouvel robot Duncan a été rejoint à votre groupe. Vous pouvez le sélectionner en quittant l'explorer. Ah, ça c'est bon ça. Nouveau défi de chasse. Putain, il y a beaucoup de nouveaux trucs à faire là. Nouvelle entrée de texte au journal. Et bon, nous on devait faire quoi? Les trois mousquetaires. Duncan a rejoint le groupe de Joule. Voilà, tu vois, j'en étais sûr que c'était ça. Ah ouais, Mac et Duncan, Seth et Duncan. Voilà, on va prendre Seth et Duncan. Oh, ça me fait chier de plus avoir Mac dans l'équipe. Bon, on verra bien après comment ce qu'on fait de toute façon. On va prendre Seth et Duncan parce que Duncan on vient de l'avoir donc. Ouais, Duncan a l'air d'être assez puissant aussi hein. Bon après ça me fait un peu chier, Mac j'aime bien moi le petit chien. Mais bon si Duncan il est beaucoup plus puissant, on va prendre Duncan hein. Bon de toute façon on va continuer d'améliorer Seth. On va voir ce qu'on peut faire avec les orbes. Continuer d'améliorer Seth, d'améliorer Mac. Et on va voir si Duncan est vraiment beaucoup mieux. Je pense que Duncan on va bien le préparer. Il faut que je trouve des plans maintenant. Mais ça à mon avis en dehors vidéo je pense que j'en trouverai pas mal hein, en explorant, fouillant, refaisant les donjons que j'ai déjà fait, vu que maintenant j'ai des nouveaux compagnons, je peux refaire des donjons et accéder à des endroits où je n'avais pas accès avant, notamment avec Seth qui est très pratique, d'une changeante. Putain les chargements sont longs. Ah, ça y est quand même. Boum, boum. Oh, allez hop. Ouais, il est pas mal. Il est pas mal, il est pas mal. Bon, je préfère quand même le petit, mais il est pas mal. Alors... You, voilà, parfait, Duncan. Ouais, je pense qu'il mérite d'être amélioré à fond, lui aussi. Hein. Alors, j'aimerais bien savoir s'il n'y a pas des cachettes d'armes ici. Je vais voir. Non, il n'y a pas l'air d'en avoir. Hop, hop, hop. On regarde quand même, on sait jamais. Un renforcement. Il est quel level? Oh, il me reste 2 places d'orbe. Ouais, je pense quand même que je vais reprendre Mac si j'ai pas après besoin de Duncan pour péter des trucs, parce que bon, Mac il est quand même... Peut-être Mac et Duncan au lieu de Mac et Seth. Mais bon, c'est pareil, ils ont leur utilité quoi. C'est ça qui est un peu... Hop, hop, hop. Tac, 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 tac. On a déjà pris tout à l'heure. Hop, ça c'est fait. Bon, maintenant on est plein niveau orbe, donc on va plus que défoncer tout le monde. Il n'y a plus vraiment d'intérêt à récupérer les orbes vu que bah, on est full orbe en fait, tout simplement. Bam. Bam, ça c'est bien mon pote. On regarde bien toujours hein, s'il n'y a pas des choses à... Ah, voilà, petite cage, j'espère. Des plans. Pour ce set, ce serait pas mal. Un plan 1, jaune. Alors, si je me trompe pas, je crois que c'est pour lui. Hein. Ouais, je sais pas. On verra bien. Pour qui c'est. Allez. Allez, Marc, Duncan, tous montent de niveau, c'est bon ça. Un Mac aussi, il monte. Oh, bah ça va, c'est posé alors. Hop. Hop, hop. Ah putain. C'est relou. En même temps, c'est moi aussi qui veux battre tout le monde. Allez, d'une changeante. Bon, on va essayer de moins aller sur les ennemis. Ça, je le ferai au pire en dehors des vidéos. Hein. Ouais, en dehors des vidéos, je le ferai, je pense. Comme ça, on montera bien tous les orbots. J'essaierai de trouver des plans. Ça c'est pas dit que j'en trouve, mais bon, j'essaierai. Et on verra un peu tout ce qu'on pourra faire. Voir si ça va bien, si ça va pas bien. On va voir, on va voir les potes. Bon. Quand ils veulent. Le temps de chargement est très long les potes quand même, hein. Mais vraiment très long. Ah, quand même. Oui, victoire. Non, on l'a déjà fait celui-là, mince. On va voir si ça a sauvegardé quand même non level. On est niveau 16 normalement. D'accord, bon. Marc est niveau 16. Oui, niveau d'armes 16, c'est bon. Ça a sauvegardé. Donc ça a sauvegardé aussi nos orbes et tout, nos pièces. Ouh! Bien, bien. Alors on était parti par là, on va pas y aller. De toute façon, on est à combien de temps là? Je crois que je vais reprendre sur un prochain épisode. Ouais, on est à 43 minutes. Ouais, on va arrêter cet épisode là, les potes. Hein. Donc, les potes, eh ben, comme je viens de vous le dire, on va s'arrêter là pour cet épisode là. J'espère que vous aurez pris plaisir sur cet épisode. On a un nouveau compagnon et on va continuer d'avancer. Il doit nous en manquer plus que 2, je crois, des compagnons. Et on va voir un peu où c'est que ça nous mène. Alors pour l'instant, l'histoire, je la trouve vraiment bien. On n'en sait pas trop, ça se débloque au fur et à mesure, mais c'est vraiment sympa. Apparemment, il y a eu une catastrophe sur la Terre. Et ils ont cherché une nouvelle planète à coloniser et à terraformer pour la rendre le plus possible comme la Terre, en fait, tout simplement. Et on se retrouve un peu sur cette planète. Grosso modo, on s'est éveillé avant, normalement, la fin de la terraformation parce qu'il y a un problème. Et voilà, apparemment, c'est un orbot, un peu comme ceux qu'on contrôle, mais les autres, d'autres orbots, en fait, il y en a un qui a pris le contrôle, qui a ordonné des choses et tout pour arrêter la terraformation, apparemment. Donc, nous, on va être là et on va devoir un peu y aller et le défoncer, j'espère, et reprendre la terraformation. Et donc, voilà, grosso modo, c'est à peu près là où on en est. Là, on va aller essayer d'aller sauver Kai. Voilà, grosso modo, c'est là où on en est, globalement. Et l'histoire est vraiment cool, franchement j'aime bien moi. Ça fait, comme je vous l'ai dit, ça fait longtemps que j'ai pas eu un jeu comme ça où j'ai vraiment envie de savoir la suite et la fin de l'histoire pour vraiment être tranquille quoi, vraiment savoir le fin mot de l'histoire et tout, parce que je trouve il est vraiment trop cool ce jeu, et j'espère réellement que à la fin ça soit pas la fin de l'histoire et la fin de la série quoi. J'espère qu'ils vont faire encore beaucoup de, enfin beaucoup, j'espère qu'ils vont faire des suites quoi à ce jeu, parce qu'il est vraiment génial, ou un peu comme à la Borderland on débloquerait de nouvelles parties de la planète. Parce que là, on est sur une planète, il y a un certain nombre de parties, mais on n'a pas tout, quoi, je pense. Et ça serait cool que, voilà, on continue cette aventure en reprenant une suite, etc. Enfin, on verra bien au moment où le jeu, on l'aura fini, et on verra si, potentiellement, on peut penser qu'il y aura une suite, un ReCore 2, ou pas du tout. On verra bien la fin. Moi, j'espère vraiment que le jeu, il y aura une suite. J'espère vraiment parce que j'adore ce jeu, quoi. Franchement, il est énorme. Et je vous le conseille vraiment. Il y a des bugs, certes, les temps de chargement sont longs, mais tout va être réglé dans les mises à jour, donc ça devrait le faire, quoi. Logiquement, j'espère du moins que ça devrait le faire. Mais globalement, c'est quand même un jeu qui est très sympa à jouer, et moi, j'adore. Tout simplement, je surkiffe. Voilà. Donc voilà les potes, hein, je vais donner un petit peu mon avis. Voilà, bon, on va arrêter là, et puis je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo. à la partager, n'hésitez pas à la commenter si vous l'avez regardé, n'hésitez pas, voilà, donnez-moi votre avis sur la vidéo, s'il y a quelque chose à améliorer, qu'est-ce que vous aimeriez bien voir, si vous aimeriez voir des petites vidéos annexes de l'histoire principale, du let's play en gros, où je fais des donjons, où je fais des choses, etc. N'hésitez pas à me le dire, voilà, moi je m'exécuterai suivant ce que vous avez envie que je fasse. Voilà les potes, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel épisode de ReCore ou pour toute autre vidéo sur la chaîne.